Et salut à toutes et à tous les gamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de la seule et l'unique, la fille la plus charmante de l'univers. Comment vas-tu, Emily? Oh mais vas-y, là c'est faux là. Vas-y, vas-y. Bonjour. Bonjour, maintenant tu peux, t'es plus obligé de parler si t'as plus envie, d'accord? Comme ouais, ça, ben, voilà. Non, je okay. sais pas. Mais on verra bien. Enfin bon les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de ma nouvelle série. Oh shit, je déteste fils de pute. En fait, on se retrouve pour mon début de série de PvP Faction. Et puis j'ai décidé de choisir Ponycube. J'avais envie d'en faire une en 1.8. Et puis j'ai décidé de choisir Ponycube avec les gardiens, là, les temples sous l'eau. Je suis en fait sur le temple, au-dessus du temple en ce moment. J'essaie d'y aller, sauf que je me fais un petit peu tuer et agresser depuis tout à l'heure. Alors, faut que je trouve une solution. Ah, oh, lui, je peux le tuer, je crois. Le bâtard. Voilà, on lui a foutu une flèche. En fait, je crois qu'il faut toutes les tuer. Et puis après, je vais être capable de rentrer dans le silo ou dans le truc, si on peut dire ça ainsi, je pense. Mais je sais pas s'il y a de l'eau à l'infini à l'intérieur. J'avais des éponges à la base, mais je les ai perdues. Je vais aller peut-être essayer d'en acheter au spawn. Et puis en fait, j'étais coincé dans un trou tantôt. Mais voilà, je vais essayer d'en sortir. Okay. Lui, il doit plus avoir beaucoup de vie. Ici. Le bâtard. Ils sont vraiment moches en plus les bébés dans 1.8. Je sais pas si tu les as déjà vus, Emily. C'est quoi? C'est genre, tu sais, les gros poissons sous l'eau là qui sont vraiment pas beaux. Ah, les gardiens. On se retrouve à tout de suite. Et yop, désolé, on se reprend. Alors en gros, Emily elle avait un truc vraiment méga important à dire. Alors elle m'a appelé sur mon téléphone de maison pour me le dire. C'est un peu stupide, mais bon. Voilà. XDMDR. Avoue que je suis drôle quand même. Mais n'empêche, j'étais en train de te répondre comme quoi que les gardiens en fait c'est laid. J'en ai eu un, mais je sais pas s'il respawn. C'est vrai, c'est vraiment laid, c'est genre ça a des pics orange, t'as vu? Genre ça oui. sert à rien. Ah si, c'est attaque si tu... Ouais justement, mais ça sert à rien, je veux dire, à part t'attaquer, genre ça sert pas à grand chose ce truc. Comme les autres notes, tu vois. Yep. Oh putain le bâtard. Et là en plus, faut que j'essaie de les tuer. Pour essayer d'entrer dans le temple, parce que regarde comment il y en a. Il y a sûrement une technique. En plus, regarde, ça me donne toujours des trucs ça. Je peux pas regarder. Viens jouer avec moi alors. Une minute 6, je vais pouvoir miner, puis peut-être me rendre jusqu'en dessous. Je crois que j'ai fait un tour. Ouais, je crois qu'on va pouvoir. Ça va être un peu difficile, mais j'espère que ça va marcher. Au pire. C'est un peu compliqué, là, parce que je sais pas comment faire pour que ces bêtes nous laissent tranquilles. J'avais peut-être pensé de prendre une potion d'invisibilité, mais bon. Trouver une potion d'invisibilité, c'est pas très facile. Ok, là, on va les laisser tranquilles, ils nous ont laissé tranquilles, du moins ils viennent plus nous mettre leur dessus. Ah, mais... C'est en fait, c'est lui qui vient de me donner ma lenteur. C'est lui, il faut que je tue. Parce que les gardiens, c'est pas eux qui me donnent la lenteur. Ok. Tout s'explique maintenant. Est-ce que t'as l'enchantement sur tes bouts pour aller plus vite dans l'eau? Non, j'ai rien, j'ai vraiment aucun enchantement. Je suis vraiment Kikou, je viens d'arriver sur le serveur. Faut que j'aie tué cette bébite là qui est en bas. Et si je fais ça, ça va faire quoi en fait si je fais... Qu'est-ce que t'as dit? Tu vas... plus vite sous l'eau. Vous avez vu ce lancer parfait les amis? Digne d'un exemple. Ok. Okidoki. Faudrait peut-être réussir à use bug le truc. Ah ouais, y'a un cooldown. Fuck. Ou des éponges. Oh, des éponges, ça va être pas pire ça. Des éponges. Je vais aller au spawn acheter des éponges, on va faire un set temple. Temple, tempo. On va aller au spawn. Fait que voilà les amis, j'espère sincèrement que cette série là va vous faire plaisir. Une série en 1.8, j'en ai jamais fait. Ça va pouvoir explorer plusieurs nouveaux types de coffres, plusieurs nouveaux types de bases aussi. Ça risque d'être assez intéressant. On va prendre nos coffres gratuits.
Alors, qu'est-ce qu'on a en octobre? Oh, des tatinetés, c'est bon. Oh, une soupe de... Une soupe de... comment dire rabbit en français? Lapin? Exactement! Merci! Une soupe de De rien. lapinot. C'est la meilleure! Lol! Lol. MDR! Elle. PTDR! PTDR! Fait que je vais juste prendre tout ce que j'ai besoin dans mes coffres. Ah, ça c'est pas mal la table d'enchant, ça. Ok, on prend ça. Mais de toute façon, ça reste là jusqu'à temps que vous découvrez coup. La coquille de rabbit, parfait, nickel. Tout ce que j'avais besoin. So, vous voyez, je peux les reprendre jusqu'à temps que je déco. So, au pire des pires, je vais pas déco, puis je viendrai les rechercher plus tard. Malgré... Oh, des pistons! Oh, putain de bonne idée que ça vient de me donner, ça. Si je pistonnais le truc, pour essayer d'y entrer, tu crois que ça marcherait? Pas du tout, j'ai encore jamais vu les temples, donc pas t'aider. Ah ouais, c'est ballot, ça. Désolé. Désolé! T'inquiète, ça va, je te pardonne. Juste pour aujourd'hui. Ah ouais. Juste parce que t'es bonne. Tout ça. Non, mais pas bonne dans le sens bonne, mais dans le sens t'es forte, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ce Non, je te jure! Je te que jure! tu Hey, m'as je te dit. jure! Je te jure! Je te jure! Hey, j'avais pas fait exprès, arrête! Elle va. Ouais, bien sûr. Tu me connais, tout le monde me connaît. Je suis le plus grand criminel de sur Terre, voyons. On va donner ça à notre ami. Oh, tiens, mon ami, prends ça. C'est qui, Tiluc? Oh my god, Tiluc! Tiluc, esti. En 2 ans, tabarnak. 2 ans après, tabarnak. Oh my god. Ça fait 2 ans que j'ai pas parlé à ce gars-là, man. Oh my god, le retour en vidéo, tabarnak. Ah, oh, mon petit Chris de Lucas. F invite Tiluc. Oh, tabarnak. Ça fait longtemps, sacrément. Oh là là là, je suis content, là. Ça se voit pas, mais je suis vraiment content. Ça doit faire genre... Oh my god, ça doit faire à peu près... Ouais, ça doit faire à peu près 2 ans que j'y ai pas parlé. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ivory Trust. Ok, F Ali. Ali. C'est quoi son pseudo? Tiluc. Damn boy, il est avec qui dans sa faction? F Show Tiluc. Avec JP Rokos. Ok. C'est toi qui m'as envoyé un message? C'est quoi que t'as marqué? Ah, parce que tu peux pas le dire vocalement. Attends, je reviens, les amis. Ok. Ma chérie, vous devez partir. Alors, voilà. Maintenant, on est tout seul, les amis. Bon, ben, on peut parler de cul, on peut parler de meuf. Let's go, c'est parti. Puis voilà, ça risque d'être assez intéressant. So, en gros, les amis... voyons. Ah, je suis content de retrouver Tiluc, en fait. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait longtemps, en plus. Fait qu'on va toujours essayer d'aller dans notre temple de merde, là. Je vais juste... Là. Bloc de slime. J'aurais voulu avoir des éponges. C'est un peu ça qui me désole un peu, j'aurais vraiment kiffé avoir des éponges. 4K. Genre le gars il me connaît pas, ça me fout les boules. Genre je suis pas encore assez populaire pour toi mon ami. Même si je suis pas populaire du tout, enfin bon bref, hors de question. Tabarnak. Ah, des blocs, parfait, des blocs, nickel. J'ai juste vraiment besoin des blocs en fait les amis si vous avez pas compris. Et puis on va aller au shop. J'ai combien d'argent? F-money. 806. Je pense qu'on n'a pas assez pour acheter une éponge. Cooked beef, sponge, boat, potato, melon, diamant, emerald, obsidian, sponge. On va en acheter une. Voilà, un sponge. À skip, ok. Il y a un abonné qui m'a dit dans la vidéo, dans la première vidéo, les amis, que quand qu'on faisait une sponge dans l'eau, elle devenait pleine. Et puis pour la vider, il fallait tout simplement... Oh shit, je suis con. Pour la vider, il faudrait tout simplement... Ah oh, fuck you, toi, je te déteste. Pour la vider, il fallait aller dans un four. T'es pas sérieux, là? Je pourrais pas récupérer mon éponge. Tellement je mine lent. Bon, on récupérera tous les blocs après quand on aura détruit le temple, ok? Pour l'instant, il faut réussir à faire des chemins. Mais avant, on va avoir besoin de ça. Fait que j'ai essayé de trouver une solution, les amis, on se retrouve tout de suite après. Ok, yop, les amis! J'ai réussi à entrer dans le temple. Holy fuck, vous allez voir dans mon truc bonus. C'était quand même assez compliqué. Oh, putain. Asti. Je sens que je vais le regretter, hein, mais... Ok, y a-t-il les QSTP? Il est mieux d'être stuff parce que...
Nickel. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Je réfléchis les amis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir de l'oxygène en bas. Ok, il va chercher des water breathing. Ça c'est une bonne idée. Oh non. Nickel. Ouais, on va faire le tour du temple les amis. On va peut-être trouver quelque chose, je sais pas. Je sais vraiment pas ce qu'il y a dans les temples. Ça va être la première fois les amis, je suis vraiment content de partager ça avec vous autres. On va faire un YOLO, on va parler avec vous autres un peu en attendant. Je filme, dédicace à Tiluc. Je risque de faire pas mal de vidéos avec lui. Et puis ça risque d'être assez intéressant. Sinon pour l'instant, voilà, j'ai vu que le premier vidéo de présentation les gars vous avez plu à mort. Quoi? De quoi il revient lui? Genre what? Comment ça t'existe encore toi? On t'a pas tué? Ah, y'en a encore un autre là, t'es pas sérieux. Ah non, je suis mort. La chatte. Fait qu'il va faire le water breeding pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'on peut faire nous autres? On peut peut-être essayer de voir pour avoir de l'oxygène. Ok, il est là en haut. Ah, il a amené des panneaux en plus. T'es pas sérieux? Ah, si, il est intelligent. FFCA. Tu veux-tu venir en vidéo avec moi? Je rec depuis tout à l'heure. Et aussi, il en a un autre machin. Fais attention. Ok, go. Ah, ok, en le fond. Ok les gars. Le fils de pute. Hop là. Nickel. Ok, il y a sûrement des affaires dans le temple. Même regarder juste casser le panneau, c'est impossible. ça doit être rare. C'est pour ça qu'il me le donne. Je sais pas.
Oh, j'ai mal répondu. Hop là, tac tac, je pense que ouais. So les gars, on va se retrouver, ben, quand on va trouver quelque chose d'intéressant tout de suite. Yep les gars. So ça finit environ dans environ une trentaine de secondes, à peu près. So je vais voir si ça se termine ou s'il y en a l'autre qui vient puis qui nous attaque. Parce que je pense qu'on les a tous tués. Je suis pas certain, comme j'ai dit tout à l'heure. So, non, ben, je pense que c'est bon. Ça a l'air good, bro. 30 secondes. Ok, on va voir 30 secondes. Je l'ai... Ok, ok. J'arrive. TP, yes. Ah ouais, il y en a encore. Oh shit. Ah, tabarnak. Ok, par là. Par là. Puis par là, j'imagine qu'il était. Ouais. Ensuite par là. Ensuite, il était où? Par là. Par là. Par là. Damn. Je te follow, bro. Ah ouais, c'est là. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. J'ai une bonne idée. Mining fading, failing, or whatever. On va voir avec lui. Comme ça, ben on se retrouve après. Yup, les gars, on se reprend. Je pense que la pierre elle casse plus rapide. Prends la pierre du... Je pense elle casse difficilement. C'est quoi ça? Du cristal! Wow! On a gagné plein d'affaires là! The fuck? Toi. Des boîtes éponges. Ok, good. T'inquiète, t'inquiète. Je sais pas à quoi ça sert tout ça par exemple, mon ami.
ça sert à quoi? Les trucs. Shard. Et cristal. Ok, ok. Il doit trouver autre chose. Ok, ça marche pas. C'est pas grave. Ok, il y a quoi d'autre à visiter ici? Je pense que c'est bon. Chris, ça va être un bon premier épisode d'abord, les amis. Ah ben non. Ben non. Ah ben non. Thanks négro. Thanks bro. Damn. C'est quoi ça? Granite, on s'en fout. Ça c'est quoi? Diorite, on s'en fout. Ben je vais prendre peut-être des pierres du truc, parce que ça peut quand même s'en revendre peut-être. Et puis on prend les pierres du temple. On peut peut-être les revendre après. Bref les amis, moi je vais vous laisser ici pour le premier épisode, j'espère sincèrement que ça vous a fait grave plaisir. Moi ça m'a fait vraiment plaisir, et puis j'espère sincèrement que vous avez apprécié, et puis vous allez apprécier cette nouvelle série qui m'a l'air vraiment intéressante, du moins moi, me paraît intéressante. Parce que c'est la 1.8, je connais pas ça, j'aimerais essayer de revendre ça. Ok, voilà, je vais en prendre quelques-unes au moins. Et puis voilà les amis, je vous dis à la prochaine, c'était Icon, le Pikachu de l'internet, ciao ciao.